départemental, le tribunal départemental de Thiès vient de publier officiellement les résultats et qui sont favorables au camp du oui, alors que vous avez battu combat pour campagne pour le triomphe du non. Comment appréciez-vous cela? En fait, l'appréciation qu'on a tirée, c'est au niveau global. Oui, le conseil a appuyé les résultats concernant les départements, mais aussi des résultats ont été publiés concernant la commune de Thiès. C'est vrai qu'au niveau du département, nous avons trébuché. Le oui l'a emporté, même avec un écart qui n'est pas tout considérable. Nous en tirons la première remarque, quand même c'est les résultats des élections locales qui ont revenu largement sur le département. Au niveau communal, nous avons battu campagne avec peu de moyens et nous avons eu à gagner les communes de Thiès. Mais au niveau du département, quand même, nous avons vu quand même que beaucoup de moyens financiers ont été développés par l'équipe adverse pour venir à bout d'un oui massif. Nous avons constaté à Guédère aussi que le maire a été nommé à un peu moins de deux mois du référendum parce qu'il dirige le PNDL, le Plan National de Développement Local, c'est lui qui le dirige à moins de deux mois. Nous avons vu aussi l'achat de conscience qui a été vraiment remarquable. Nous avons vu aussi la distribution des riz. Nous avons vu le ministre Moustapha Diop qui est venu à Thiès faire le tour du département pour dire aux femmes que le président Macky Sall vous a donné pour beaucoup de millions de francs CFA en termes de financement. Et si seulement vous ne votez pas oui, vous allez perdre ces avantages. Nous avons vu aussi qu'au niveau du département, ceux ou celles qui étaient des bénéficiaires quand même des bourses familiales ont été menacés. Donc pour nous, quand même, c'est une victoire du oui à l'arraché. C'est une victoire du oui qui a été acquise par les biais de la corruption d'État. Le camp du oui avait mis les moyens pour une victoire, il a obtenu, c'est vrai, mais avec un taux de participation, on peut faire. Oui, le taux de participation. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce. Oui, le taux de participation est faible hein, au niveau local comme au niveau national. La première remarque, c'est aussi simple. Ceux qui ont refusé d'aller voter, qui font un peu plus de 60% du corps électoral, n'ont voté ni pour le oui, ni pour le non. Donc, il faut aussi que les deux parties, que chacune puisse en tirer les leçons. La première leçon à tirer, quand même, doit quand même prendre la responsabilité du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la majorité du corps électoral ne sont pas d'accord pour les réformes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 45% du non. Mais on ne peut pas dire que 100% qui n'ont pas voté ont voté non. Là, moi, je ne l'accepte pas. Il faut avoir un discours conséquent, honnête. Mais il faut juste faire savoir que ces 100% qui n'ont pas voté, quand même, n'ont pas voulu accompagner les réformes proposées par le chef de l'État. Alors qu'une réforme constitutionnelle, naturellement, devait recevoir l'adhésion populaire, quand même, de toute la population. Cela n'est pas le cas. Et nous voulons une réforme unifiée. Donc le chef de l'État doit en tirer toutes les conséquences. Parce que cette réforme constitutionnelle, aujourd'hui, la quasi-totalité du corps électoral ne l'autorise pas. Mais malgré tout, il a gagné le référendum. Il a gagné le référendum. Nous le félicitons. Mais nous leur disons aussi que ce n'est pas une victoire à fêter, surtout à leur niveau. Parce que les Sénégalais, dans leur large majorité, sincèrement, n'ont pas voté pour le passif ni vif. Tribunal départemental a publié le résultat officiel hier matin, nous avons dit le référendum 20 mars. Il y a un nombre de résultats. Le résultat est publié sans que vous ne vous souveniez pas que le département ne vous souveniez pas. Mais la commune, qui a pris le aussi, c'est le chiffre qui est le nom de l'Ombaye. Si on regarde, on a dit qu'il y a un résultat qui est une élection locale, dans le monde de Thiès. Parce que l'élection locale, le département, le président n'a pas gagné, mais la commune, quand inverse, il n'a pas gagné. Nous avons fait une campagne pour amener les futures communes. Nous avons des moyens, nous avons des moyens pour nous aider au département. Ce qui sert au département, c'est qu'on les côtés de l'air. Quand on dit que Je suis un peu plus de temps.
Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Donc je pense que victoire la victoire, non seulement pour la corruption, la victoire la victoire, pour l'achat de conscience, victoire la victoire, pour la victoire, pour la victoire, Malgré que le taux d'abstention est bas, 60% Le 70% normalement, nous avons fait qu'on l'ion, nous avons engagé ou j'aurais cette détermination pour accompagner la réforme. Mais lui, mon état, mon 60% est d'accord avec la réforme. Nous l'avons déjà. Nous sommes d'accord avec la réforme. Mais nous avons déjà pris aussi que nous, dès que nous faisons, mais dans tous les cas, nous sommes pour la réforme. Mais nous aussi, moi, si nous sommes 45% en non, nous sommes 55% en non, nous sommes cas de 10%, mais c'est très faible. Pour une consultation populaire, une consultation référendaire, c'est la première fois au Sénégal. Et sauf les. Point bon qu'il a même, mon taux d'abstention, mon résultat pour le non, mon résultat pour le oui, il y a eu beaucoup de règles pour baisser le mien. Donc, nous ne pouvons pas être mon cas où on a été jandat, mon cas où on a été jandat. Mais les gens qui ont été jandat, c'est le chef de l'État. Jandat, c'est quoi? Jandat, c'est ce qu'il faut faire. Chef de l'État, c'est ce qu'il faut faire. Mon niveau petit Sénégalais, d'accord, il faut faire. Parce que nous sommes tous les gars, avec nous qui avons été votés, ils votent le non, soit ils volent, ils sont petits Sénégalais. Nous sommes d'accord avec la réforme. Moi, si on dit réforme, avec 55% du corps électoral, on va avoir un peu de temps. Donc, on va faire des choses. Mais là, victoire humaine, c'est fait. Parce que c'est un message fort qui est venu du peuple sénégalais. Un message bon, on va décrypter. La réforme, là, on va parler en profondeur. Sinon, l'autre groupe est 4. Et il y a un peu de temps.